Notre histoire commence à Adlersbrunn, où le seigneur local a lancé un appel à tous les héros pour qu'ils le protègent de la folie du docteur Schakalstein. Il n'était que quatre à défendre le château contre le docteur Schakalstein et ses serviteurs. Le docteur Schakalstein jubila à la vue de ses serviteurs qui s'animaient. Cette nuit serait celle de sa vengeance. Quand on est un loup-garou, peut-être. J'ai vraiment l'impression que t'es convaincu. T'es sûr qu'on sait pas faire. Dans une autre vie, peut-être. Venez par ici vous soigner. Une dernière volonté. Un truc dans lequel on injecte des produits chimiques, de l'électricité, je sais pas quoi d'autre, on n'appelle pas ça un homme, c'est un monstre. Peut-être qu'ils sont pas si différents de nous après tout. Nos ennemis mordent à ce ciel. Les derniers vont se mettre à l'analyser parmi eux. La moisson des âmes va commencer. Je m'avais trahi ces anciens frères-là. Ceux qui ne l'avaient pas vu d'être du midi. La balle du pistolero trouva sa cible. Le faucheur s'écroula. Le faucheur est mort, pour l'instant. Dernière volonté. Ils arrivent droit sur nous. Ça va péter. Ça va vous faire un choc. On dirait bien. Ou alors l'au-delà est bien déjà. Le sol tremble. Et le monstre du docteur Schakalstein apparaît. Laisse-nous vivants! Dernière volonté. Ok. Non, à
un ignoble amas de force et de méchancetés inhumaines. Une dernière volonté. Le pistolet roi battit le monstre. Il s'écroula dans un ruisseau. En faisant trembler le sol. Je préfère pas savoir. L'air se fut pas brûlé, j'y arrive. Au moment où l'avocatrice surgit de nulle part. Le feu des dragons consume tout. Bombarda l'invocatrice de ses ordres. Et elle s'est fait. Je n'avais jamais chassé de dragon auparavant. Au plus fort de la bataille, le docteur Schakalstein en personne fait une entrée théâtrale. Vous allez tous regretter de vous être moqué du docteur Jameson Schakalstein. Déjà, le docteur avait succombé en flanc et harangué ses créatures. Rongé par sa soif de vengeance. Doucement. La comtesse s'exécuta enfin. Une dernière volonté. La vie a placé. Le pistolet remit à terme à la vie du docteur Schakalstein. Pas à la bataille. Le moine bannit le faucheur qui se déchira dans les yeux. Intéressant. Je vise toujours juste. Ça va vous faire choc. Attention. Ennemi à droite. Ça va péter. Ne les laissez pas détruire la porte. Mes serviteurs ne meurent jamais. Tu m'amuses. Une incantation magique. La sorcière ramena Schakalstein et ses créations à la vie. Visière tactique activée. Une dernière volonté. Le docteur Schakalstein s'effondra. Mais les aventuriers savaient que le danger doit se regarder. Le soldat de la sorcière à mort et se mit aussitôt en quête d'une nouvelle cible. Et le monstre suivit son créateur à la tombe. Exténué, blessé, mais soulagé. Les quatre héros entrèrent dans le château où les attendait leur récompense.
une dernière volonté. Trop aimable. Accès en cours au château Guillard. 1. Place au combat. La science est la voie vers la vérité.
démonté, j'ai toujours travaillé. L'ennemi doit faire 10 victimes pour gagner. Désormais, nous sommes tous des soldats. Ne cesse jamais de te battre pour ce que tu crois juste. L'ennemi n'a plus besoin que d'une victime. Action de la partie.
En route vers Dorado.